sur une glace là-dessus, tu peux te sortir. Aujourd'hui, on va commencer à remonter. Ben oui. Toutes nos pièces ont été nettoyées, lavées. Un petit coup de sable pour compléter le détartage, l'enlèvement du rouille. Là, les gasquettes sont remontées. On va remonter chez moi. En tout cas, une partie. Le premier kit des gasquettes qui servira à mettre en marche et éventuellement assembler pour voir ce qui fonctionne. Après ça, ben, on va les assembler puis se préparer pour le réinsérer dans le bateau. On peut dire que ça va faire des manifolds qui vont être propres. La circulation va se faire comme il se doit, afin de donner un bon rendement à notre moteur. C'est plaisant de travailler avec tous des morceaux propres, nettoyés. Ok. On va voir ce qu'on voit, puis... Ça c'est rien qu'on va pas travailler pour rien. Dernière vidéo que je vous ai montré, je vous parlais à un moment donné des hivernements de moteur. Les hivernements de moteur suivis sur YouTube avec un récipient, un seau, du presto dans le seau. C'est pour ceux qui ont les pieds outboard, inboard, outboard, avec moteur inboard. Ou des ventouses, on met ça dans un sciot, le sciot un peu surélevé, puis on vide du prestone, puis à un moment donné, bon, ben, quand ça sort bleu, jaune, vert, rouge, caille, ben, on dit ok, c'est assez, ferme le moteur, on est hivernisé.
C'est des métals qui sont utilisés depuis nombre d'années. Puis, à ce que je vois, ça devient des habitudes. C'est la mode, quoi. C'est pas long, pas cher, comme j'ai mentionné. Puis, on est sûr de notre affaire. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai toujours été contre ça, à moins que de temps à autre, vous ayez la preuve que vos mécanos de choix, ou vous-même, parce que en suivant les vidéos sur YouTube, on dit « Ah, ben là, c'est facile, moi, le faire moi-même, à cette heure. Je ne payerai plus pour ça. » Vous avez remarqué, tout le long du processus de montage de ce moteur-là, on s'est rendu compte qu'il y avait de la rouille, qu'il était bouffé, les conduits étaient bouffés. Et je vous ai mentionné, et surtout avec des moteurs refroidis à l'eau de mer, l'eau d'un lac, l'eau du fleuve, il y a des possibilités que la pompe, le pied ou une pompe en dessous, même lorsque le sable est brassé ou que vous suivez un gros bateau dans le Saint-Laurent, puis que lui, il brasse la vase dans les fonds, le moteur respire ça, puis bon, il en passe un peu par dehors, ça marche un bout de temps, la température est adéquate. Sauf qu'à un moment donné, il y a des risques de problèmes, puis des risques majeurs. Si personne, un jour ou l'autre, va vérifier ses ployes, les bouchons de vidange, si on veut, il y en a différents types. Aujourd'hui, on les retrouve en plastique. Mais ça se vérifie quand même. Ce qui se produit, c'est qu'il y a accumulation de sable, de vase, de rouille. On rajoute un peu d'alcool à plomberie là-dessus. Ça crée encore plus de rouille. Des fois, ça fait des détachements pour certaines pièces. Et ça bouche le conduit. Tranquillement, avec les années, ça épaissit. Puis, on se ramasse avec des circuits bouchés. Là, tout à l'heure, vous avez remarqué, les pièces, ils ont toutes trempé dans l'acide, ils ont toutes été nettoyées, ils ont été passées au sable, au jet. Et là, ce qu'il me reste à faire, parce que même si j'aurais eu voulu, en enlevant les plats, que ça se délaye avec l'acide, il y a des limites, l'acide, à travailler, à faire des travaux. À un moment donné, ça dilue pas le sable, ça dilue pas la vase, puis c'est bon pour la rouille, point. Si on regarde un des bouchons de vidange, l'œil de vidange, si vous voyez dans le fond là, c'est dur ici là, puis c'est ça qu'on y retrouve. Là. Le bouchon, il est évident, il est obstrué. Alors même si vous auriez ouvert cette valve-là ici, ça n'aurait pas sorti. Et doublement pas sorti parce que dans le fond de ces trous-là, qui conduisent à l'intérieur du manifold, on va s'approcher un peu. On va démarcher l'autre avant pour voir. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans ces trous-là. Vous pouvez le constater, c'est pas ce qu'il y a de plus clair. Pas vraiment ce qu'il y a de plus clair. Et si c'est comme ce que j'ai déjà rencontré, même avec un tournevis, ça serait probablement passé au travers.
si vous ne prenez pas la précaution de temps en temps, je dis de temps en temps, ça devrait être à toutes les gens de manger tout ce qu'il y a de bouchons de vidange. Puis, allez voir s'ils ne sont pas obstrués par... du métal, pas du métal, de la rouille, ou de la vase, du sable. On peut pas dire que... Il n'y a pas de stock là-dedans, là. Inquiétez-vous un peu lorsque vous remettez à des mécaniciens, à des chums mécaniciens, à des maisons, même à des maisons de supposés professionnels. Parce qu'il y en a qui ont appris à être assez lâches, merci. On fait la job dans les plus brefs délais, on charge le montant, puis si le job emporte la balance, l'année prochaine, il sera peut-être bien plus ici. Puis s'il arrive un peu pain, ben, il va s'en apercevoir plus tard, puis ça ne sera pas de notre trouble. Puis ils seront bien à s'en dégager. C'est ce que je suis en train de faire, parce que je suis certain qu'il y avait une partie des filets qui était obstruée aussi par ce... par ces dépôts-là. Alors on prend une filière, un tap, si on veut, et on le passe pour être sûr que nos filets descendent plus que dans le fond, avant de remettre nos ployes ou bouchons de vidange. Donc vous allez les remonter, ben. Mettez-vous pour la sécurité, pas que ça coule, un couple de rang de teflon, on fait une belle job. C'est sûr que là, ça restera pas de même, là. Il faut que je retourne dehors pour souffler adéquatement ces dépôts-là, afin de m'assurer qu'ils ne restent pas dans le fond du à le fond du manifold, qui risquait de reboucher d'ici quelques temps. On a reçu mon premier kit de gasket. On va être en mesure de commencer l'assemblage peut-être d'ici la fin de journée. On va voir. Voilà le type de casquette qu'on va installer, ça c'est pour la première phase. C'est-à-dire, et vous, les casquettes, je parlais de tout, regardez quel côté, du side up, alors sur le dessus. Et celui aussi, du side up, ici, sur le dessus, nos têtes. Ouais, c'est ça, on va le remonter pour la première fois, le mettre en marche, assurer que tout fonctionne bien. Et l'autre série de gasquettes avec les freeze plugs, etc., vont entrer dans quelques jours. On a reçu, je vais être prêt à assembler les têtes aussi, demain on va faire l'assemblage des têtes. J'ai reçu les cils de balle. Nos petites. Ça. Ça. En fait, nos têtes vont être prêtes à assembler. Il faut travailler là-dessus demain. Ce soir, on va finir de remonter mes manifolds. Puis, ainsi de suite. Ainsi de suite. On est parti sur. Bon, les pièces sont. 98%, 99% toutes nettoyées.
réassembler d'aucune, il m'a réassemblé mes manifolds avec des nouveaux gasquettes. Puis ça va suivre son cours. Si les pistons, les pins ne rentrent pas dans les rings, ne rentrent pas dans les roues qui viennent. Là. Probablement m'installer sur les pieds, de monter les pieds, passer au sandblast, traitement de vinylox, puis peinturer, changer les pompes, vérifier les bearings, les gears, puis les anodes, changer les anodes, etc. On va pas vouloir faire un petit bout, mais on est parti en réassemblant. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, si jamais vos mécaniciens, comme je vous disais tantôt à propos de ça, là, la circulation d'eau ou de d'antigel dans vos moteurs. Oui, n'ayez pas peur, monsieur, on a tout fait ça. Ben, dans la grande majorité des cas, là, c'est des menteurs de dire ça de ma part. Salutations, Guy Paris.